Alors Tony Florest, bonjour. Peux-tu te présenter et présenter ton équipe, le CC Verlinghem? Alors je m'appelle Tony Florest, j'ai 19 ans, je suis en junior. Je suis champion Nord-Pas-de-Calais junior contre la montre. Et je suis venu avec mon équipe, le CC Verlinghem, donc Frédéric Louvin, notre sprinter. Antoine Berthier, vice-champion de France, le troisième du championnat du Nord 2012 en junior. Jeff Couillet, Tim Félicieux, senior B. Notre capitaine de route, Julien Clocarte, et Sébastien Ave, champion de France des routiers et premier attaquant des routes de l'Oise 2012. Donc toi, tu es 17e au scratch à l'issue de la deuxième étape, premier junior. Comment s'est passé les deux premières étapes? Bah hier, difficile parce qu'on n'est pas habitué à grimper comme ça. On n'a pas de boss comme ça dans le Nord, à part Mont-Saint-Pévèle. C'est pas vrai. Et donc bah, on a essayé de faire au mieux. Je craque sur la fin, sur Florian Lindauer. Je craque en haut du dernier MG, en haut de la dernière bosse, et bah, j'ai réussi à reprendre ce matin au chrono ce que j'avais perdu et me conserver, reprendre un peu d'avantage sur lui justement en but de conserver cette première place. Donc là cet après-midi c'est l'étape de Formerie, vous comptez attaquer ou... Bah, on va essayer de suivre, déjà ça serait déjà bien, ça va déjà être bien et après on verra en fonction des circonstances de course. Ok, bah, bon courage alors au CC Verlinghem. Merci.